c'est au Québec, il fait pas froid, il fait frais. C'est de même parce que c'est de même. Puis c'est bien correct, on a de la place en masse. Puis nos face à face, on les fait sur la glace. Alors on lâche nos pattes et nos gars. C'est comme Maurice, on glisse dans l'arène avec la reine de la défaite et le feu dans les yeux. En fait, quand on veut, on peut gagner. En des temps si lointains que les Franco s'appelaient Canadiens, à une époque où l'époque était faite de crottins, on a réuni des hommes dont le destin commun est comme un film sans fin. En technicolore et tricolore, bleu comme le Saint-Laurent, blanc comme l'hiver, rouge comme le sang qui nous coule à travers le corps. Val d'Or, Meaux, à l'église Saint-Sauveur. Go, let's go! Énergie. Et à Val d'Or, comment ça se passe, Meaux? Ben, je te dirais que c'est assez fou présentement devant l'église Saint-Sauveur parce qu'il y a des gens qui, derrière moi, commencent à monter les marches de l'église à genoux en regardant vers le ciel. Et je peux vous dire que on a des gens qui sont très partants. Laissez-moi faire attention. Je vous le dis. Ça se fait en plein centre-ville à Val d'Or. C'est très impressionnant. Le soleil est sorti juste au-dessus du clocher de l'église. Dans quelques minutes, les cloches vont sonner. Et on a des personnes qui sont en feu pour le 7e match pour la victoire du Canadien. Bravo, Val d'Or. On s'en va dans le bas du fleuve. C'est le cœur de la nation. Et chaque année pour clore avec une célébration. Ils diront jamais tel quel aux nouvelles. Mais le tissu social de Montréal, c'est de la sainte flanelle. Quand il est question de hockey, nous on fait pas dans la dentelle. Ok, c'est plus qu'un sport. C'est une métaphore de notre sort. C'est ça qui nous ressemble, c'est ça qui nous rassemble. Anglo, franco, peu importe la couleur de peau. Si tu détestes Toronto, le sang qui bouge dans tes airs paraît aussi rouge. Pour voir que les chandails